Michel Beignet, quel est votre rapport personnel au sport Vous êtes philosophe et les philosophes en général ne réservent pas au sport toujours le beau rôle dans la formation de l'homme, oubliant cela l'adage antique min sana in corpore sano. Les philosophes ils sont très contrastés sur le sport parce qu'ils peuvent être complètement dédiés à la cause du sport au motif que le sport est et l'occasion pour l'homme de témoigner de son arrachement à l'inertie naturelle, et par conséquent, le sport peut être identifié par eux comme une forme d'humanisme actif. Moi, j'avoue que je ne me sens pas d'aller chercher dans le sport les arguments pour témoigner en, en faveur de, de, des valeurs humanistes pour des raisons qui sont sans doute autant biographiques qu'intellectuelles. Les raisons biographiques, bon, je m'en débarrasse rapidement en vous les donnant, euh, très très tôt dans ma petite enfance, j'ai été contraint à faire de la gymnastique corrective. Voilà. J'étais embarrassé d'un problème de dos, hein, et à l'époque, eh on vous imposait non pas de la kinésithérapie, mais de la gymnastique corrective. Et c'était un calvaire, un calvaire, parce que le gamin que j'étais était contraint à faire ses exercices dans, dans, dans son coin, euh, en solitaire, pendant que ses copains euh, batifolaient à droite et à gauche, etc. Et j'ai gardé, je pense, euh, du, du rapport au, au corps, euh, quelque chose de répulsif. Hein, en, en imaginant que la, la véritable conquête, c'était de se débarrasser du corps. Hein, et bon, je ne peux pas dire que ça m'ait déterminé euh, dès cette époque vers une philosophie euh, de type platonicien, mais en tout cas, euh, je pense que j'ai fait l'impasse sur le corps et par voie de conséquence sur le sport assez tôt. Et aujourd'hui, vous ne faites aucun sport Et aujourd'hui, ben, je, je suis encore dans la même disposition d'esprit, sauf que j'ai sans doute rationalisé, intellectualisé la chose, et euh, je me trouve de bons arguments pour ne pas pratiquer, et ne pas fréquenter euh, le sport, ce qui ne m'empêche pas euh, d'avoir de, des, des pratiques. Euh, Corporelle, je fréquente une salle de gymnastique, mais pour des raisons peu avouables, hein, qui, sont, qui sont les, les, les raisons qu'on met en avant lorsqu'on considère que dépenser des calories c'est important, euh, euh, faire fonctionner ses articulations c'est important, hein, mais euh, on voit bien que ça n'a aucune grandeur, hein, cette, euh, cette approche de la salle de gymnastique. Donc notre notre entretien sera d'autant plus paradoxal que, que votre peur. intérêt pour le, pour le sport est un intérêt finalement assez abstrait, euh, tardif et obligé. Euh, vos centres d'intérêt, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université Paris IV, euh, vos centres d'intérêt sont très larges, hein, vous, vous êtes intéressé à l'histoire de la philosophie euh, de manière assez générale. Et depuis quelque temps, vous vous intéressez plus particulièrement au posthumanisme, à la question du posthumanisme, qui est une question qui se pose particulièrement et pas seulement en des termes triviaux avec le développement des technosciences. Vous pouvez nous, nous préciser un peu de quoi il s'agit Oui, bah, cet euh, investissement dans euh, les utopies posthumaines euh, bon, tient à un cheminement qui, euh, au sein de la philosophie, m'a conduit à un moment donné à m'intéresser aux sciences cognitives. Et à le faire euh, d'un point de vue critique. Hein, je me suis euh, avisé que ces sciences de la cognition, donc qui cherche à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être intelligent, à quoi reconnaît-on l'intelligence, euh, euh, et qui s'intéresse au support de l'intelligence, euh, l'organisme pour les pour les vivants, euh, la machine hein, pour pour le, les, les technologues. Eh bien, euh, cet intérêt pour les sciences cognitives euh, m'a m'a conduit à, à considérer qu'on euh, y reprenait à bon compte les questions traditionnelles de la métaphysique, mais en le faisant avec euh, l'apport des technologies. Je prends euh, la question des rapports de l'âme et du corps, qui est une question canonique en philosophie, et eh bien c'est une question que les sciences cognitives reprennent euh, à leur compte euh, bon, en, en élaborant des... Des modèles destinés à expliquer euh, bon, euh, ce que c'est que l'âme, enfin, ou ce qu'on appelait l'âme, euh, etc., ou euh, bon, d'autres questions. Alors j'ai eu une approche de ces sciences cognitives, euh, une approche anti-réductionniste, en disant non, euh, ces sciences ne peuvent pas euh, penser ce qu'elles disent penser. Elles ne peuvent pas. Euh, euh, éliminer par exemple euh, l'âme en la réduisant au simple fonctionnement de logiciel. Hein. Euh, tout cela m'a conduit progressivement à m'intéresser aux technologies et à l'imaginaire que les technologies secrètent dans nos, nos esprits. Euh, je considère que longtemps la tradition philosophique a fait complètement l'impasse sur la technique. En considérant que c'était une affaire d'esclaves, donc une affaire d'être encore englué dans la nature, une affaire bon, d'hommes sans esprit, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire avec autant de désinvolture l'impasse sur les techniques. Les techniques, elles sont elles sont là, elles sont notre quotidien, euh, et elles ont vraisemblablement inventé ce que nous sommes, nous pensons avec, avec les techniques. Euh, ça n'est pas nouveau, mais c'est devenu euh, aujourd'hui complètement euh, criant. Et donc je me retrouve à être euh, parmi euh, mes, mes collègues euh, philosophes, euh, quelqu'un qui prend au, au sérieux euh, les effets d'annonce ou les, les, les prophéties que développent certains technologues, qu'on appelle des technoprophètes, et qui annoncent qu'avec le développement des technologies contemporaines, eh bien, on va réaliser l'homme, on va le réaliser au sens où on va euh, finalement le soulager de tous les, les éléments qui le rendaient inachevé. Et donc, euh, voilà, je me retrouve à... À, à côtoyer, à dialoguer avec des, des technoprophètes, des posthumanistes qui me disent que les biotechnologies vont nous éviter d'avoir à naître puisqu'elles permettront de fabriquer le vivant, euh, avec des neurobiologistes neuro qui me disent que bon, la, la, la souffrance c'est terminé, on va en finir, avec des, des nanomédecins qui me disent que la vieillesse, on en vient à bout, et puis avec des... Alors, des, des, des technoprophètes, pour le coup, complètement euh, intempestifs, qui me disent que la, la mort, c'est une, une affaire de temps. On va, on va en venir à bout, puisqu'on parviendra à télécharger le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium qu'on pourra implémenter sur des supports inaltérables. Il y a la question du, du post-humanisme et du transhumanisme. Ce sont des choses finalement sérieuses, euh, même si les apparences ne sont pas toujours pour elles. Euh, et d'ailleurs, à cet égard, la science-fiction est intéressante. La science-fiction a été longtemps du côté du roman, et maintenant la science-fiction a des liens très particuliers avec la science et avec la prospective scientifique. Oui, c'est étonnant de voir que la science-fiction est, est passée du, du, du littéraire, Lovecraft, à... Hein. À vraiment la prospective, la, la futurologie. Et, et ce qui est sidérant, c'est de voir que la science-fiction euh, oriente les programmes de recherche euh, technologiques. C'est-à-dire que maintenant, on, le, 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 le technologue s'inspire volontiers de, des, 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 des fictions. Hein. Je pense à. Euh, Gibson, neuromancien, bon, qui a été un, un, livre, un livre culte parmi les amateurs de science-fiction, eh est aujourd'hui euh, pratiquement euh, un livre de chevet pour euh, les gens qui travaillent sur la modélisation du cerveau. Hein, donc euh, la science-fiction a, a maintenant une, une dimension bon, que les philosophes diraient heuristique. Hein, elle permet euh, de de donner des lignes de fuite à une technologie qui euh, donne à penser que tout est possible. Vous avez d'ailleurs une image assez remarquable. Hein. Est, cette, cette image est, 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 extraordinaire, Création est extraordinaire, parce qu'on voit bien que là, on est en train de, de réaliser l'alliance de l'homme et de la machine. Hein. C'est la cyborgisation hein, qui, qui s'annonce, et par-delà la cyborgisation, c'est effectivement l'avènement d'un post-humain. Parce qu'on peut se dire que de la rencontre de, 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 des deux peut émerger quelque chose d'absolument imprévisible, inédit, qu'on appellera la singularité ou comme on voudra. Et cela concerne en premier lieu le, le corps. Euh, quel corps nouveau se profile avec cette, ce posthumanisme, ce transhumanisme, cette transformation de l'homme Selon que on est raisonnable et modéré, et il y a des transhumanistes complètement raisonnables et modérés, on se dit que les technologies vont se mettre au service de l'amélioration, du remodelage, voire de l'augmentation du corps. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que. Après tout, euh, la conformation physique qui est la nôtre aujourd'hui euh, ne sera pas complètement chamboulée. Et, euh, avec les technologies, euh, simplement, bah, euh, on verra mieux, on verra la nuit, on entendra bien, euh, on courra beaucoup plus vite. Euh, et, bon, de ce point de vue-là, on sera en continuité avec ce que nous sommes. Mais il y a aussi euh, une version, disons, plus, plus harde et, et plus euh, délirante hein, du posthumanisme, où là, ce que l'on se dit, c'est simplement que les technologies vont nous permettre de nous passer du corps. Hein. Nous allons euh, avoir la possibilité d'abandonner ce facteur d'inertie qu'est le corps. Le corps, c'est la passivité, tous les philosophes l'ont toujours dit. Et euh, avec les technologies, on devrait pouvoir dématérialiser le corps hein, et euh, lui donner une relève qui sera de l'ordre de la machine ou, ou, ou du flux, du flux électronique. On va revenir sur, sur cette idée. Euh, J'aurais peut-être d'un mot préciser la distinction entre posthumanisme, transhumanisme, avant de revenir à la question du corps. Les, les transhumanistes sont des gens qui travaillent à la transition. La transition entre l'homme tel qu'il est aujourd'hui et l'homme tel qu'il pourrait être, euh, moyennant ces euh, technologies. Les post-humanistes, eux, sont des gens qui considèrent que les technologies que nous mettons en place jettent les conditions initiales euh, qui permettront éventuellement l'émergence de quelque chose d'autre, d'un post-humain qui est par définition imprévisible, qui est de l'ordre du phénomène émergentiel et qui relaiera l'espèce tout simplement dans, dans l'ordre de, de, de l'évolution. Donc les posthumanistes, humanistes eux, euh, envisagent l'au-delà de l'humain. Les transhumanistes envisagent un humain augmenté. Et revenir à cette question du corps, il y a la les... Question fameuse de Spinoza, hein. que peut le corps euh, Reprise aussi bien par Deleuze que, que par, par Michel Serres. Mais est-ce que cette question est à formuler euh, à nouveau frais Est-ce que c'est une question qui a, qui a encore un sens de, de rapporter à ce pouvoir euh, du corps, à cette possibilité du corps ben, si, si on suit les, 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 les technologues euh, donc investis dans ce trans ou dans ce post-humanisme, la, la, la question de. Du pouvoir du corps euh, ne s'oppose plus à proprement parler. Hein. Le, 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 le corps est euh, le support actuel de nos, de nos performances, mais il est en, en voie d'être relayé par, euh, par, la, par la machine. Hein. Et c'est plutôt. Euh, euh, que peuvent les machines hein, qui devient la, 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 la question directrice. C'est elle qui euh, sert d'instigateur de, 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 à, à la recherche technoscientifique. Euh, le corps est une, est une chose du passé, hein, de ce point de vue-là. Au fond, c'est très intéressant. La question révolutionnaire de Spinoza, que peut le corps et non pas que peut la pensée, se trouve évacuée au profit d'un peut-être d'une nouvelle forme d'idéalisme caché derrière la machine Ah ben complètement, puisque idéalisme ou même, n'hésitons pas à employer le mot, spiritualisation. Au fond, ça n'est pas tout à fait étonnant que les technoprophètes attirent à eux des, 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 des gens qui sont formés au, au, aux spiritualités, c'est-à-dire à toutes ces, ces approches ascétiques visant à en finir avec le, le corps et à faire triompher l'esprit. Alors, du corps au sport, la, la, la transition est, est toute donnée, toute tracée. Euh, Est-ce que le regard euh, que notre société euh, porte sur le, le corps ne se retrouve pas d'une certaine façon dans la manière dont le corps se trouve institué par le sport de compétition en particulier, où on a à la fois une exaltation du corps, mais du corps sain, euh, du corps propre euh, et d'autre part, une sorte de dénégation du corps à travers sa représentation. Je crois que notre société développe une conception abstraite du corps. C'est le corps euh, labellisé, c'est le corps support d'une comptabilité, c'est le corps... Euh, performant et, et soumis par conséquent au, au calcul. Parce que il y a le corps sain, là. Il y a le corps sain hein exalté, la santé. Euh, c'est ça. La là, jeunesse. Là, là, oui, on est dans une manière de d'hygiénisme. Bon, hein bon c'est quand même aussi un, un corps abstrait parce que c'est un corps qui euh, obéit à, à certains canons, euh, canons de beauté, euh, euh, canons esthétiques. Ces corps sont des corps. Euh, je dirais interchangeable, il n'y a pas de singularité dans, dans, dans ces corps. Et euh, notre société bon, euh, abonde euh, dans les moyens de, 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 de rendre exemplaires des corps. Le corps comme motif naturel Voilà, mot, motif naturel. Et je pense que le sport accroît évidemment cette dimension d'abstractisation du, du corps. Euh, bon, C'est peut-être une petite parenthèse, mais je, je suis euh, euh, saisi de, 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 de considérer qu'il y a quantité de stratégies que nous mettons en, en œuvre pour euh, abolir le, le corps, ce corps-ci que je suis, ce corps-ci que, que, que vous êtes, cette, cette contingence du corps. Prenez bon, euh, la crémation, par exemple, les pratiques de crémation dans nos, dans nos sociétés chrétiennes. Me, me sidère assez parce qu'elle témoigne bien de cette espèce de, 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 de disposition à l'évacuation du corps. Hein, La spectacularisation, hein, au sens où les situationnistes parlaient de spectacle, oui, hein, comme ça. dénégation au fond. De... C'est une façon de, 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 de mettre à distance le, le corps. Donc je, je pense, mais là les spécialistes du sport seraient mieux placés que moi pour le dire, que le, 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 le sport ne fait qu'intensifier hein, cette tendance euh, récurrente à euh, se représenter le, le corps euh, sous des, des, des formes euh, oui abstraites et par conséquent on neutralise le corps en, en le rendant abstrait et alors paradoxalement il y a une autre façon de le, de le neutraliser comme corps c'est un, un corps bodybuildé comme celui-ci hein. c'est un, un corps qui peut nous paraître à la fois euh, exacerbé comme corps on ne voit que lui et en même temps un corps monstrueux c'est ça c'est la la, la sculpture du corps jusqu'au jusqu'au monstrueux hein, ou de fait ce ne sont pas des corps ce sont des anatomies hein, et, et l'anatomie elle est elle est calibrée elle est mensurée, enfin et, et elle répond effectivement à des à des critères qui sont des critères objectifs enfin si on peut recourir au nombre d'heures pour euh, <laughs> inscrire un corps alors on est on est au comble de la joie hein, alors que bon les corps c'est c'est la, la difformité, les corps sont, sont, sont vraiment les, des supports de singularité. Et bien de cela, on, on se débarrasse hein, avec ces formes extrêmes où euh, le, 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 le corps idéalisé euh, tel qu'il est là bon, est un corps qui est, est complètement dissuasif. Hein. Je ne saurais jamais ce, ce corps-là, hein, il est une espèce de, de corps dans un ciel des idées, euh, bon, qui, ne, qui ne rend jamais que plus criant et douloureux peut-être la différence qu'il y a entre le corps que je suis et ce corps-là. Vous êtes très attentif à, à l'émergence donc de la modernité, de ce qui accompagne la modernité, le fameux programme cartésien devenons comme maîtres et possesseurs de la nature et toute la le processus d'émancipation, la pensée du progrès. Vous aimez citer par exemple Condorcet, qui rappellera que Descartes est peut-être le grand inspirateur de la Révolution. Quand on se place du point de vue du, du corps et, et du sport, cette rupture de la modernité, on la trouve dans les mêmes termes. On passe d'un monde antique et médiéval. Où il y a un accomplissement de soi dans un monde fini. Au contraire, avec la modernité, on a l'idée d'un dépassement perpétuel de soi. Isabelle Queval a travaillé sur ce, sur ce sujet. Et comment vous, vous intégrez justement le sport dans cette modernité et puis, et puis cette modernité qui a un terme. Hein. L'humanisme de la modernité a aussi un terme avec le post-humanisme dont on parle. Oui, non, je pense que bon, l'antiquité cultive évidemment le, le corps et le, et le sport. Hein. Euh, mais l'Antiquité le, le, le fait bon, dans une dimension aussi prométhéenne. Hein, donc le, la beauté est peut-être la, la valeur dominante hein, qui permet de, de justifier qu'on sculpte le corps et que l'on exhibe les corps sur, sur les, les stades. Il me semble qu'avec la la modernité, avec le, déve le développement d'un certain individualisme, euh, le corps s'est trouvé euh, soumis à cette euh, entreprise généralisée, effectivement, de, de, de maîtrise. De maîtrise sur, sur quoi ben Sur la nature, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur ce qui nous est donné et qu'on n'a pas choisi. Et de ce point de vue-là, la, la modernité, elle est empreinte d'une métaphysique qui consiste à, à vouloir euh, déduire la passivité d'une activité. Bon, les, les, les philosophes les plus techniques au XIXe siècle l'ont dit à leur manière, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'idéalisme allemand, hein, où la question euh, de base, c'était de... Déduire le donné, faire en sorte que nous soyons dans une position pratiquement de démiurge, hein, de créateur, hein, qui ne nous laissons pas imposer une extériorité, mais qui démontrons que cette extériorité est en, en réalité le produit de notre intelligence. Donc, euh, il me semble que le, le, le corps, en tant que cette surface de passivité, euh, devient euh, le défi même que se donne la modernité, euh, qui cherche à, à réduire. Euh, tout ce qui limite notre autonomie, tout ce qui limite notre liberté. Au fond, la modernité en tant que recherche euh, d'autonomie hein, ne pouvait pas passer à côté euh, du, du corps et du sport comme une des modalités de, de conquête de cette autonomie. Et puis le. Euh, le sport, euh, l'institution, le sport s'institutionnalise, devient une institution à part entière, au fond, au XIXe siècle, et c'est inséparable de tout ce processus de quantification qui accompagne euh, cette modernité affirmée au XIXe siècle, des sciences en particulier, il n'y a de science que du mesurable, c'est bien connu. Et est-ce que le, le sport, finalement, n'est pas pris dans ce processus de quantification jusqu'à aboutir à, à une sorte de réduction numérique, à une réduction binaire le corps binarisé, entre guillemets. Bon, là, là vous, vous mettez l'accent sur la, la, la chose effectivement la plus, la plus défavorable, c'est-à-dire le, le sport en tant qu'entreprise de, de discipline sur les corps, hein, mise au pas, euh, à raisonnement euh, du corps. Alors, c'est le 19e siècle, c'est euh, la société industrielle, c'est la rationalisation euh, des comportements, hein, c'est euh, cette ambition de, 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 de mettre au pas, hein, effectivement. Bon, et c'est sans doute contemporain du développement de la, de la statistique, de la probabilité, enfin de la gestion des grands nombres. Hein. Donc euh, il y a sans doute euh, cela dans la, la, la généalogie même du, du, du sport, j'allais dire, hélas, hein, parce que on a, on a perdu de vue du coup euh, le, le sport associé à la, à la grâce, à la conquête. De, de, de soi, hein. le, le sport associé à une assaise, bon, cet, cet aspect-là a disparu et s'est euh, substitué le, le corps discipliné, le corps mis au, au cordeau. Le corps numérisé, même. Alors, la, la, la numérisation que vous évoquez, elle est, elle est intéressante, parce qu'elle elle correspond à une dématérialisation du corps. Et au fond, l'objectif même, du, du, de, la, de la maîtrise sur le corps doit aboutir à la dissolution même du corps hein, puisque le corps c'est ce qui résiste hein, par définition hein. les, les, les exercices que nous mettons en, en place c'est pour euh, briser cette résistance du corps Eh bien euh, la, la matérialisation c'est-à-dire la dématérialisation la transformation euh, de, de ce qui résiste en oui en, en, en langage informatique et le comble même de, cette, de ce triomphe de la résistance. Et c'est pour ça que souvent, chez les technoprophètes, chez les, chez les geeks, hein, on n'hésite pas à associer le, le web à une conquête spirituelle. C'est pour ça que souvent, les... les les, les adeptes du bouddhisme se sentent tout à fait bien dans le cyberespace, hein, parce qu'ils y voient euh, quelque chose comme cette, ce triomphe de, sur l'individu, l'individu qui est euh, fermé dans des limites. Hein, bon, et faire sauter ces limites, c'est une façon de, de conquérir l'esprit la, 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 hein, et, et d'atteindre son, son nirvana. Ce que Darwin n'imaginait pas, c'était forme de l'évolution. Hein, partons du, du singe au code barre. C'est extraordinaire. Euh, donc, ici, vous avez une belle illustration de ce que vous êtes en train de dire cette dissolution, au fond, de l'homme dans le numérique. Et, et, en, et en binaire. Voilà, absolument. Et on voit, on, on va du, du, plus, du plus pesant au plus, au plus léger. Euh, aux plus aérien. Enfin, bon, peut-être qu'on aurait pu rêver de rester dans une phase intermédiaire où le, le sport confine à la grâce. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la grâce Sinon, cette possibilité d'évoluer sans résistance. Hein. Bon, ben non, la, la grâce, malheureusement, on l'a assujettie au, au nombre, à la comptabilité, et c'est devenu le code barre. Mais la dissolution est aussi un, un enfermement. C'est peut-être aussi cette réduction, euh, peut-être un enfermement. Et regardez là, il y a une sorte d'homme prisonnier du Code Bar qui essaie de s'en sortir, et qui hurle d'ailleurs. Qu comment s'en sortir enfin, Comment sortir de cet emprisonnement de la numérisation mais ça, c'est extraordinaire qu'il y ait, qu'il puisse y avoir cette réaction, la, la, la révolte, est de fait l'indice aujourd'hui de notre, notre liberté, de notre libération, comme toujours d'ailleurs. Mais cela étant, je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas beaucoup cette, cette réaction contre les, les codes-barres lorsque on se promène dans les Couloir du métro, et que l'on voit ces affiches qui vantent la oui, la oui, la Kinect, hein, euh, Bon, on est assez sidéré, hein, parce que la oui, c'est euh, la dépossession même hein, de, 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 de l'initiative au profit de, de, de dispositifs numériques hein, qui. Euh, nous relaie et qui nous qui nous remplace donc euh, ce euh, cette, cette révolte contre l l la numérisation euh, bon je la vois malheureusement euh, très très discrète euh, dans, dans dans les jeunes générations les techniques corporelles c'est aussi vieux que que, que l'homme Marcel Mauss a bien mis en évidence le travail sur les corps c'est un élément essentiel de la culture mais aujourd'hui, il, il y a la technologie du sport. C'est une fausse continuité. Est-ce est que ce n'est pas illusoire d'imaginer, au fond, que bon, travailler sur les corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire dans de l'homme Est-ce qu'il n'y a pas là un, un saut qualitatif et pas simplement une variation de degré ben, Je pense que là où il y a un saut qualitatif, c'est essentiellement que ces, ces pratiques du corps, euh, elles sont euh, maintenant... Euh, Universelles, elles, elles empruntent des, des canons et des standards qui sont universels. Chez Marcel Mauss, les pratiques du corps désignaient effectivement les, les cultures, euh, dans la mesure où les cultures endossaient des, des singularités. Hein, et, et le, 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 le corps, les, les scarifications, les tatouages, les, les piercings, hein, euh, ce qu'on n'appelait pas évidemment des piercings euh, dans le, le contexte étudié par Marcel Mauss, mais tout cela euh, témoignait de cette euh, volonté d'inscrire les corps et par conséquent de, de les marquer du, du sceau d'une culture, d'une singularité. Euh, Aujourd'hui, euh, dans la mesure où euh, l'anthropotechnique euh, obéit à à des canons scientifiques, à des critères euh, scientifiques euh, universalisables, eh bien, euh, on ne peut plus associer euh, cette, euh, cette inscription des corps avec euh, un mouvement culturel. On est là dans, dans une entreprise qui est plutôt une entreprise oui, d'un raisonnement euh, illimité. Comme si, la, comme si la culture même se retirait du corps au profit d'une sorte de, de, de corps produit. Absolument, je crois qu'on assiste à cette dissociation du, 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 du corps et de la culture. Euh, L'autre indice étant euh, le dépérissement du langage, hein, qui est aussi euh, l'un des symptômes de cette euh, abdication de la culture. Hein, le fait que. Euh, on recherche un, un langage euh, universel, qu'on l'appelle le globish ou comme on voudra, hein, et que l'on dissuade même de recourir au, au, au langage dans la plupart des, des technologies euh, que, que l'on nous développe. Hein, parce que ces technologies sont des technologies de l'élision du langage. On est dans, dans un contexte où euh, euh, le novel langue hein, d'Orwell n'est pas, pas une... Une absurdité de, de science-fiction, elle est notre réalité. Donc je crois qu'effectivement la, la culture est en train aujourd'hui euh, d'abdiquer et le corps et les mots, hein, euh, ces deux instruments euh, qui étaient les instruments même de notre euh, hominisation, hein, puisque euh, nous nous sommes développés grâce à, à, au, au prolongement du corps que sont les outils et grâce à la maîtrise du symbolique qu'est le langage. Eh bien Aujourd'hui, que ce soit le symbolique, que ce soit le, le, le cœur, on assiste à une espèce de, de, de retrait qui ne se présente pas comme tel, qui se présente essentiellement par une labellisation, par une standardisation, par une conformisation systématique. Mais est-ce qu'on ne passe pas finalement de la figure de Prométhée, figure de la, de la faiblesse de, devenue puissance, hein, on connaît le mythe du Protagoras, hein, à une figure qui serait davantage celle de, de Faust hein. C'est-à-dire celle d'un corps transformé par la, par la science, celle d'un corps qui est devenu l'objet d'un perpétuel artifice, quitte d'ailleurs à, à défendre ce, cette figure faustienne, c'est ce que fait par exemple Michel Onfray, hein, qui essaie de, de réconcilier technoscience et, et hédonisme. Néanmoins, ce glissement de, de, de Prométhée à Faust engage euh, fondamentalement, d'une certaine manière, le rapport de, de l'homme à lui-même. Je les aurais pas mis en, en, en continuité ni même en parallèle hein, ces, ces deux, deux figures parce que bon, Faust est pour moi davantage à, associé à, à, à la révélation de l'insatisfaction que donne le savoir et le, le savoir absolu hein, au bout du compte hein, et euh, Faust est pour moi une figure un peu pathétique celle de, de la, de la du Désir de jeunesse hein, et de, du salut par l'amour. Là, nous reconnaissons l'éternelle jeunesse, nous retrouvons tout de même ce corps transformé et cette emprise oui, hein, oui, d'un corps oui. duquel on chasse la mort. Ah, ça, absolument. On chasse le sûr, temps. Bien sûr. Euh, alors que Prométhée, c'est un peu, au contraire, l'affirmation du temps comme la mesure humaine. C'est l'affirmation du temps euh, comme la, la, la mesure humaine, mais en même temps, euh, c'est l'aspiration à. À, à, à la vitesse de libération qui permettra de se débarrasser du, du, du temps, puisque dans la, la composante prométhéenne, il y a cette, cette volonté d'être Dieu. Alors que chez Faust, il me semble que le, cette ambition-là a, a, a cédé, a disparu. Enfin, peut-être qu'il ne faut pas non plus se, se focaliser sur ces, sur ces grandes figures. Euh, Je dirais que j'aime assez que chez Faust, il y ait ce qui disparaît euh, avec un prométhéisme déchaîné, à savoir euh, peut-être la dimension érotique. Euh, il y a chez, chez Faust euh, l'idée que l'homme reste un être de désir, fondamentalement. Un désir qui, par conséquent, est, est révélation d'un manque et en même temps aspiration à une beauté. Euh, il reste une érotisation chez Faust. Alors que le prométhéisme de la modernité qui confine justement euh, au, au rêve de l'homme d'acier a désérotisé complètement l'humanité. Nous y sommes, là vous avez une, une image de Stellark, euh, le performeur, euh, vous avez là le corps appareillé, euh, ce corps nouveau, le corps appareillé. Oui, ça c'est là donc la, 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 la figure du, du cyborg hein, tel que on aspire de plus en plus à... À, à la réaliser. Euh, un cyborg, c'est quand même étonnant, le, le cyborg, parce que c'est un, un organisme qui intègre dans son anatomie de la cybernétique, bon, euh, très simplement, mais euh, qui euh, introduit une, une dynamique dans laquelle on sait qu'on introduira toujours plus de cybernétique dans cette anatomie, qui donc à terme disparaîtra en tant que telle. Hein, et euh, le, le, le meilleur euh, peut-être propagandiste du cyborg, alors même qu'on a inventé le mot que vers 1960, au moment de la conquête de l'espace, mais le meilleur propagandiste c'est Marinetti dans les années 20, hein, donc euh, le, le, le chantre du futurisme italien, hein, qui. Euh, considérant que la sidérurgie était l'industrie phare de l'époque, euh, s'était mis en tête effectivement d'inviter ses contemporains à introduire toujours plus d'acier dans leur anatomie pour pouvoir réaliser cet homme d'acier euh, qui impressionnera tellement Mussolini par la suite, mais cet homme d'acier qui aura cet avantage considérable, et c'est Marignetti qui le dit lui-même, de nous débarrasser de la nature et de la femme, c'est-à-dire de la passivité. Donc euh, c'est assez extraordinaire cette espèce d'engouement de, euh, qui revient aujourd'hui pour le cyborg. Euh, euh, certains technoprophètes n'hésitent pas à dire que grâce au cyborg, on va pouvoir se débarrasser de toutes les oppositions dans lesquelles nous nous enferrons. C'est une manière de donner euh, donc une traduction métaphysique à la question du cyborg, à dire ben, enfin voilà, euh, on s'enferme fait depuis longtemps. Euh, dans l'opposition nature-artifice, euh, nature-culture, euh, euh, homme-femme, euh, âme-corps, etc. Avec le cyborg, vivant-mort, vivant-mort, exactement, vivant-mort, inerte-actif. Grâce au cyborg, on va pouvoir faire sauter euh, ces oppositions métaphysiques. Moi, l'autre. Moi, l'autre. Mais oui, vous voyez, donc tous ces éléments-là. C'est pour ça que le, le cyborg fascine autant euh, les philosophes. Les philosophes des constructionnistes, comme, comme on les appelle quelquefois, euh, disciples de Derrida ou d'autres, hein, qui considéraient que la métaphysique avait échoué parce que elle a chopé sur des oppositions irréductibles. Et le cyborg, il, il devient même aujourd'hui ce, ce symbole même de, de l'émancipation métaphysique dont, dont on rêve, dont la modernité a, a rêvé jusqu'à aujourd'hui. Là, un autre exemple, c'était l'arc qui exhibe son avant-bras greffé, euh, une sorte de corps greffé, de greffe sur le corps, on ne sait plus très bien ce qui est greffé et ce qui est greffe. Et vous voyez, est-ce qu'on peut être plus éloquent sur cette volonté d'en finir avec le, le donné, hein, faire en sorte que la nature ne nous impose pas son diktat, mais on est capable hein, d'intervenir sur la nature et de, et de pervertir le, le, la, la, la création C'est extraordinaire et en même temps c'est pathétique. Hein. C'est pathétique. Bon, là, là c'est de, de l'art, euh, ça va bien, mais il y a un autre personnage qui est un peu de, ce, de cet acabit, hein, qui s'appelle Kelvin Warwick, hein, euh, en Grande-Bretagne, hein, qui euh, passe son temps à, à, à s'implanter des, des, des électrodes, des capteurs, des émetteurs, etc., et qui ne rêve rien tant que de pouvoir agir à distance sur son environnement grâce aux ondes électromagnétiques, et, et ce faisant de d'abandonner, enfin d'abdiquer même le langage comme instrument de communication, puisque nous devrions pouvoir communiquer avec des objets intelligents sans avoir besoin de recourir à cette source de de désagrément qui est le langage, puisque le langage est toujours source de malentendus, source de violence, source etc. Donc on est dans dans, dans, dans une dimension proprement pathétique où on voit bien qu'il s'agit d'en finir avec le corps tel qu'il nous est donné, et il s'agit d'en finir avec ce qui nous fait être fini puisque le corps nous enferme dans, dans des limites. Et puis aussi intéressant, c'est que c'est une oreille qui n'entend pas, c'est-à-dire en finir aussi avec, avec nos sens, au profit d'une exhibition et d'un pur spectacle. Oui, c'est une façon de, 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 de suggérer qu'il y a un grand arbitraire dans la, dans la création. Une oreille peut très bien être dévoyée, servir à autre chose. De la même manière que nos yeux ne sont pas faits pour voir, euh, selon les évolutionnistes, mais simplement euh, la vision s'est greffée en quelque sorte sur, sur l'œil. Euh, tout ça peut inspirer évidemment, renvoyer à une remarque très judicieuse faite par le philosophe allemand Gunther Anders hein, dans l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire cette idée au fond de, de honte prométhéenne d'être soi, hein, qui est ce, ce sentiment d'impuissance à l'égard des machines que les hommes ont, ont créées. Euh, c'est pas simplement l'apprenti sorcier, c'est encore plus puissant Bien qu sûr. Apprenti sorcier, que l'apprenti sorcier, comme cette honte prométhéenne d'être soi, elle, elle consiste essentiellement à avoir honte d'être né. Gunther Anders le dit de cette manière-là. Nous avons honte d'être né, parce que euh, nous sommes nés du hasard de la rencontre de, de gamètes, euh, et ce hasard nous a fait être ce que nous sommes, et la, la honte, elle consiste à, à être contraint à endosser ce que nous sommes. Hein. Ce que nous voudrions, c'est pouvoir nous fabriquer. Hein. Et c'est ça qui nous sortirait de la honte. Hein. Et nous fabriquer sur le modèle de ces machines que nous savons fabriquer et qui sont tellement plus performantes que nous, tellement plus, 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 plus belles aussi, plus. Inoxydable. <laughs> Donc, euh, cette honte promettez-en d'autrefois, je crois que Gunther Anders a mis le, le, le doigt sur quelque chose qui fait mal. Hein. Il, il a prononcé ce, ce diagnostic en 1956 euh, et on n'a fait que, que le confirmer aujourd'hui, hein, cette espèce de, de, de frénésie à, à, à vouloir. Euh, Utiliser les, les PMA, les procréations médicalement assistées, dans, un, dans le sens d'un eugénisme soft, un eugénisme libéral, ne fait que nous convaincre que ce dont nous souffrons, encore une fois, c'est de ne pas être les, les créateurs de nous-mêmes. Et ça est d'autant plus présent, hein, au fond, dans, dans le sport et dans l'évolution du sport, euh, entre la présence du dopage, euh, la cyborgisation, hein, qui est aussi présente, évidemment, dans le sport. Il y a à la fois cette, cette honte prométhéenne de soi, cette impuissance, finalement, euh, face à soi, une certaine manière, de, là aussi, de, de, de dénégation évidente de son corps. Oui, il y a cette volonté d'en finir avec, avec son corps. Et je crois que de ce point de vue-là, le, le sport est bien en phase avec cette, ce vertige technologique, cette, le vertige d'une conception technologique du monde que, 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 que nous connaissons. Alors, peut-être que malgré tout, il reste que le, le, le sport n'est pas forcément perçu par euh, nos contemporains comme seulement affaire d'individus. Parce que quand on parle de cette technologisation des, des corps, euh, c'est toujours euh, en, en projetant euh, les individus fermés sur eux-mêmes, les, les individus solitaires. On parlait tout à l'heure de science-fiction. Quand la science-fiction nous projette dans un avenir euh, lointain, elle nous désigne toujours comme des, des zombies, des êtres qui errent dans, dans un univers, euh, mais ils sont solitaires, ils sont déliés les uns des autres. Et c'est normal, parce qu'un corps parfait est un corps qui n'a pas besoin de communiquer. Hein. Il est, un corps parfait est désérotisé pour cette raison-là. Il n'est plus, il plus euh, en quête de, de l'autre pour l'aider ou pour le, 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 le conforter. Hein euh, or, peut-être que le sport, et là je me ferai paradoxalement peut-être l'avocat du sport, euh, joue sur une composante collective euh, qui fait défaut euh, à la vision technologique du monde qui, elle, met l'accent sur l'individuation extrême. Mais la comparaison que je faisais, c'est à la fois... Il y a, par exemple, dans le dopage, quelque chose qui relève de la haine de soi, d'une certaine façon. Euh, et il y a, dans la cyborgisation, euh, une euh, autonomisation des techniques euh, rapportée à, à des critères seuls d'efficacité, euh, de performance, euh, qui témoignent aussi, d'une certaine façon, de, ce, de cette honte de ce, prométhéenne dont parlait euh, Gunther Anders. Ben oui, dans cette onde prométhéenne, il y a aussi euh, le fait que... On on veuille mesurer les choses, hein, que l'on veuille euh, appliquer du calcul aux choses. On est dans une euh, dans une société, dans un contexte où euh, la logique comptable prévaut euh, avant tout, et donc euh, rien de plus logique que de de, 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 de vouloir euh, hypostasier la performance, hein, la performance qui consiste aussi là toujours à appliquer la, la comptabilité sur les coeurs. Hein, rien de plus Logique que de, de, de vouloir euh, mesurer euh, le, le, le fonctionnement du corps hein, à l'aune d'un certain nombre de critères qui vont définir euh, euh, ce qui relève du dopage et ce qui relève de la, de la performance naturelle. Hein, C'est cette espèce d'engouement pour la, la rationalisation comptable hein, qui euh, fait sans doute l'unité entre. Euh, le dopage, comme effectivement vous avez raison, euh, haine d'être ce que l'on est, hein, et euh, la cyborgisation qui est euh, servons-nous hein, de ce qui peut nous, nous, nous augmenter, hein, parce que euh, l'essentiel est encore une fois dans la fuite en avant, la fuite en avant tout à fait moderne, hein, euh, qui définit même la modernité, hein, la fuite en avant, euh, euh, allons toujours au-delà, euh, rêvons de l'illimitation. Et l'illimitation, c'est encore une fois la, la sortie du corps. Donc on peut, on peut revenir à ces deux idées d'augmentation de, et de substitution. D'abord à l'idée d'augmentation. Le, le, le cyborg, c'est la figure même de l'augmentation du corps, le corps augmenté. Euh, le, le sport est très, très remarquablement en première ligne pour penser cela. Ah, complètement. Je, je crois qu'il euh, n'y a pas meilleur euh, terrain pour euh, apprécier la, 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 la cyborgisation que, 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 que le sport. Hein. Au départ, la, la, le, le mot de, de, de cyborg a été utilisé, je le disais tout à l'heure, dans le contexte de la, la conquête de l'espace, hein, lorsqu'il s'est agi de de se demander comment un, un organisme humain dans, dans l'espace pourrait bien se livrer aux, aux fonctions qu'on attend de, de lui hein, dans un environnement qui n'est pas l'environnement naturel. Donc on a décidé de, de coupler cet organisme avec des dispositifs techniques externes hein, et c'est ça qu'on a appelé la, la cyborgisation. Donc il s'agit bien, plus que d'augmenter, là, d'étendre, hein, d'amplifier la, oui. hein, la, la, la performance. Bon, il se trouve qu'on parle d'augmentation aujourd'hui parce que on a des, des technologies de plus en plus invasives et qui vont permettre, euh, qui doivent pouvoir permettre de modifier de manière durable, voire irréversible, le, le, le cœur. Hein, mais euh, cette logique-là, cette dimension-là, euh, elle est présente au plus haut point dans le monde du, du, du sport aujourd'hui et le, lab, le sport est sans doute le laboratoire de la, de la cyborgisation hein, c'est pour ça que la cause du dopage est une cause controversée hein, parce que on, on pourrait se dire qu'après tout euh, il est normal qu'un qu sportif se, se dope hein, puisque euh, on attend du sportif qu'il nous révèle euh, ce jusqu'où peuvent aller les corps hein, et, et c'est même la, la logique de la modernité qui exige qu'on aille toujours au-delà. Donc l'augmentation la, du corps, la cyborgisation, pourrait-on dire, du corps, euh, elle varie, évidemment, je dirais, quantitativement, du porteur de pacemaker à, à l'introduction de composants électroniques euh, dans le corps et du corps sportif en particulier. Mais il y a euh, la substitution, c'est-à-dire ici, euh, par exemple, le, le robot. Bon, on a une image ici euh, où on voit un bras de fer entre un homme et un robot. C'est évidemment une, une figure... Euh, à la fois pathétique et, et peut-être hyper moderniste. Ce qui m'arrête beaucoup dans cette image, c'est surtout le, le, le support. Hein, le support où on a, euh, donc c'est un, un, un jeu de Scrabble, hein, où il y a euh, bon, des mots, <laughs> où il y a du symbolique. Hein, et, mais vous avez raison, mais rien de plus naturel que que la, la cyborgisation se se développant dans le sens de la substitution. Hein, on est dans ce que les philosophes appellent l'argument du sorite, hein, vous savez. Donc jusqu'à quel point à partir de, de, de quel nombre de cheveux désignera-t-on un, un homme comme chauve ou pas chauve hein ben Là, c'est la même chose. À partir de quel degré d'introduction d'électronique de, dans une anatomie aura-t-on affaire à un robot et non plus à un cyborg euh, Oui, l'engouement le, le, aujourd'hui pour la robotique, il y a un vrai engouement parce que des robots... Euh, il y en a dans le, le paysage intellectuel, culturel depuis longtemps. Mais aujourd'hui, bon, les robots, on les produit, on les construit, on va les les, les développer à, à grande échelle, et on peut presque être surpris de cette espèce de candeur, de naïveté qu'on a par rapport à eux. Euh, le, 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 le robot, euh, bon, est de plus en plus accepté comme un partenaire de, de l'homme dans, dans, dans la vie quotidienne. Hein, je ne dis pas dans la guerre ou dans, ou dans la conquête de, de, de l'espace ou de l'extrême, hein, mais dans la, dans la vie quotidienne. Donc il y a cette idée de plus en plus admise par tous qu'à à court terme, le robot remplacera la baby-sitter, le robot remplacera... Euh, L'enseignant, le, hein, la, la Corée, la Corée du, du, du Sud euh, recourt de plus en plus à des robots dans les écoles maternelles, hein, convaincu qu'un robot c'est quand même beaucoup plus fiable qu'une institutrice euh, qui est sujette à des, à des défaillances, sujette à, à des humeurs, etc. Hein. Si on reprend le, le corps augmenté, si on se place du point de vue euh, du sport euh, qui nous intéresse plus directement, on s'aperçoit que cette augmentation, cette transformation, on la retrouve euh, dans euh, ce qu'on appelle les morphotypes, c'est-à-dire par exemple tous ces gymnastes euh, calibrés en taille, en poids, euh, qui ne se distinguent plus finalement les uns des autres, les, les sprinteurs, euh, bodybuilders, euh, euh, les, les coureurs, les cyclistes par exemple, qui sont comme comme asséchés, euh, ou les lutteurs de sumo. Hein, donc cette, cette augmentation, elle s'accompagne pas simplement, ne parlons pas tout de suite de substitution, elle s'accompagne d'une sorte d'uniformisation de, de, des corps. Mais, et, et fatalement, puisque l'augmentation est le produit d'une science, d'une technologie qui fonctionne euh, euh, de manière industrielle. Hein, donc il est, il est logique que le résultat de l'application de ces, de ces adjuvants techniques euh, sur des corps... Euh, confine à, à l'uniformisation, voire à la zombification. Hein, quand, quand j'étais quand j'étais jeune, je lisais Spirou et Zorglub. Hein. Bon, c'est des euh, armées de Zorglub qu'on. Voilà, c'est une anthropofacture, hein. c'est la, la création d'un nouveau type humain. On assiste à l'émergence d'un nouveau type humain avant et, même et, de parler des robots. Et fait. vous avez raison de parler de type humain. Oui. Hein. Euh, le, 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 le romancier Junger, hein, montre très oui. bien comment, avec euh, lui, il cite ça avec la guerre 14, mais peu importe. Il, il y a eu une, une cassure. On est passé de l'individu au type. On était dans une société qui valorisait l'individu et on est passé subrepticement, à l'occasion justement de la, de la science et de la technique investie pendant la, la, la guerre 14, on est passé au type. Et le type, c'est l'épure, l'épure de, 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 de l'individu, l'individu réduit à l'élémentaire, l'élémentaire du geste. Dans, dans, dans le sport, hein, l'élémentaire du, du rituel, l'élémentaire même de la, de la pensée. Hein, et cette typification, eh bien, elle est évidemment le, le corrélat de, de l'application standardisée, industrialisée des, des éléments de transformation du corps. Ce n'est pas totalement notre objet, mais c'est intéressant que Jünger aura une correspondance avec Heidegger, penseur de la technique hein, et justement de la raisonnement dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, absolument. Mais pour revenir toujours à cette à cette augmentation à la cyborgisation entre guillemets, il y a tout aussi tous les, les appareillages qui interviennent dans le sport, qui sont aujourd'hui omniprésents. Les routeurs par exemple pour les courses au large en bateau, les coureurs automobiles, les cyclistes. Il y a en permanence la présence, pour le moins, d'une oreillette avant qu'il y ait directement dans le cerveau des puces qui permettent finalement d'interagir. C'est-à-dire que le, 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 le sport bénéficie d'un tel aura dans nos sociétés qu'il est normal que les, les technologues hein, se servent des sportifs comme de, de support d'expérimentation hein, de, de, de leur réalisation. C'est tout à fait logique que pour accréditer une technologie, hein, on, on puisse recourir aux figures tellement... Tellement populaire et fascinante des, des, des sportifs. Euh, C'est vrai que le, le, bon, le, le recours euh, au, au titane, le titane prend euh, une. Je, pense, je prends l'exemple du titane parce que je, je vois ce, ce, ce sportif. Le, le, le titane euh, évoque quelque chose dans l'esprit de nos contemporains parce qu'on sait que on peut s'en servir pour réaliser des, 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 des bicyclettes extrêmement légères et solides. Donc, euh, Rien de plus le mariage. C'est important ces oreillettes, par exemple, qui fait que on voit d'ailleurs ici un cycliste hein, avec une oreillette qui euh, l'informe, commande, dirige, calcule, etc. On, au fond, on a affaire à des cybernautes. Vous qui me parlez de par exemple, euh, ne sommes-nous pas ici dans une sorte d'univers où la réalisation de, de, cette, de cette augmentation euh, euh, triomphe? Ben oui, et puis les, les, les oreillettes, elles sont surdéterminées parce qu'elles elles représentent euh, euh, la, la, la conquête de l'action la, à distance. Au fond, euh, le, notre pouvoir sur les choses euh, est d'autant plus important que nous pouvons agir sur elles à distance. Donc la, la conquête des, des, des dispositifs d'émission de, et de réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose d'absolument fascinant. Aujourd'hui, quand vous voulez euh, ébahir le public, vous dites, ben, regardez, aujourd'hui, grâce à, aux ondes électromagnétiques, on permet à des tétraplégiques de, de commander leur environnement à distance, hein, d'ouvrir un placard, un téléviseur, rien que par la pensée. Hein, Rendez-vous compte, nous sommes presque comme Dieu, il suffit de penser pour réaliser quelque chose. Nous, nous produisons ce que les philosophes appellent un argument ontologique. Hein, je, je pense euh, quelque chose et je produis euh, l'action euh, qui réalise ce quelque chose. Donc, les, les... Les là, bon, c'est effectivement la, la, la réception, hein, mais euh, l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose de profondément fascinant. Et si les sportifs peuvent recourir à, à, à ces technologies-là, euh, c'est d'autant gagné pour euh, les, les énormes investissements euh, que l'on fait en, en termes de financement pour euh, euh, produire cette action à distance. Oui, puis surtout cette idée que, bon, tant qu'il y a l'homme qui est l'émetteur et un autre homme qui reçoit, on est dans une relation de communication assez classique avec un message et un code. Mais à partir du moment où on va arriver à des connexions de machines, parce que le corps, finalement, le cerveau. Du, du cycliste va devenir un simple véhicule d'information, et puis il y aura con, connecté ou interconnecté des calculateurs, etc. Donc on arrive à, à un univers ici qui est un univers machinique et strictement machinique. Bien sûr, ben ça on nous l'annonce pour très très prochainement. Nous allons être de plus en plus entourés d'objets intelligents. Hein, et un objet intelligent, c'est un objet qui sera équipé d'émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et si nous-mêmes, nous sommes équipés de ces ondes électromagnétiques, nous pourrons communiquer. Avec ces, avec ces objets. Hein. Mais ce qui est quand même peut-être plus inquiétant, c'est que ces objets pourront communiquer entre eux, hein, et de plus en plus sur notre dos. <laughs> Donc nous sommes aussi dans, dans, un, dans un scénario où euh, l'extrême maîtrise que nous acquérons sur les choses euh, peut aussi signifier notre dépossession de l'initiative. Et là, on est dans des scénarios de science-fiction, mais qui sont pas complètement, complètement absurdes. On se trouve surtout reposer à nouveau frais la question du sujet. Le sujet, c'est celui qui dit je. Bon, c'était déjà un sujet problématique, brisé, tout ce qu'on veut, avec, je sais pas, la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant aujourd'hui Qu'est-ce que ça voudra dire demain de dire je Qu'en est-il du sujet Qu'en sera-t-il du sujet Bon, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas déjà franchi quand même un, un pas important, ne serait-ce qu'avec la avec, euh, avec le, le, le cyberespace, avec le, le, le web, où euh, il n'est plus donné à quiconque de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'être un sujet, d'être l'auteur de quelque chose. Nous, nous ne sommes jamais que pris dans des flux, dans des flux de communication, nous prenons toujours des trains en marche, hein, et nous sommes plutôt des, 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 des commutateurs, comme disait... Euh, comme disait un sociologue, euh, Marc Guillaume, hein, nous sommes des commutateurs. Nous, nous laissons passer de l'influx ou nous bloquons de l'influx, hein, mais en aucune façon nous ne pouvons nous imaginer être des sujets. Au On retrouve de... les outputs là. Voilà, exactement. Mm -hmm. Nous sommes toujours à la, à la croisée. Et nous sommes des boîtes noires qui recevons des inputs et qui produisons des outputs. Et votre remarque euh, tout à l'heure, vous disiez que au fond le le développement de cet univers, euh, dont le posthumanisme humanisme est, est une sorte de, de signe, de symptôme, euh, porte en lui cette idée, au fond, que l'homme, que et que le corps humain en particulier, est plein de failles, d'insuffisances. Euh, L'idée, par exemple, que la robotisation dans les entreprises, euh, c'est une excellente manière de se substituer aux insuffisances humaines, à l'inattention, pourquoi pas aux accidents du travail. Euh, on peut dire la même chose, au fond, dans le... Dans, dans le sport. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, cette idée que le sport atteignant des limites, hein, le, sport, le sportif est fragile en tant qu'il est un être de chair, euh, il y a la limite objective des records dont on a parlé en 2030 hein, récemment, est-ce que cela ne va pas, justement, euh, justifier euh, la robotisation des corps, euh, l'augmentation d'abord avant d'en arriver carrément à la substitution Et Oui, tant qu'on restera dans cette dynamique de fuite en avant qui caractérise la modernité, on devra euh, vouloir donner une issue aux, aux limites atteintes par le sportif par une robotisation. Et on verra se développer peut-être des exosquelettes euh, euh, évoluant sur les stades, euh, etc. Mais je, je dis bien, tant qu'on restera dans cette dynamique moderniste, qui caractérise aujourd'hui effectivement l'orthodoxie ou le, la pensée dominante dans les sociétés technologisées. Oui, et puis surtout quand vous parlez de, de, de l'imperfection humaine, comme s'il fallait corriger l'imperfection humaine. Et dans le sport, c'est la même chose, comme s'il fallait corriger l'imperfection du sportif, car le sportif est imparfait en tant qu'il est un homme. Et donc ici, il y a tout ce processus qui se met en place dans, les, dans la grande conscience, finalement, puisqu'il s'agit de rendre parfait l'imparfait selon des critères de performance et d'efficacité. Oui la seule manière de s'en sortir, ce serait de, de consentir à l'imperfection et de considérer que l'imperfection est, est notre privilège. Mais bon, de là à, à ce qu'on puisse donc se réconcilier avec la, avec la finitude qui nous caractérise, il y a peut-être loin. Et on peut dire que les technologues, le sport de haut niveau, sont autant d'arguments qui nous dissuadent de vouloir nous réconcilier avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres, des êtres fragiles. Des êtres et, sensibles. Des êtres important. sensibles et qui, grâce à cela, peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est un exemple d'une communication Écoutez, à la fois chorégraphique et, et sensible et sensuelle. Est-ce qu'on peut... Est une statue du XVIIe siècle. Ben rien n'est rien plus beau que cela. Rien n'est plus beau. Et, et il y a à la fois le l'extase, l'extase qui signifie la sortie du cœur, hein, soit dit en passant, l'extase et, et, et la demande. Enfin, donc euh, oui, je considère que cette conjugaison de, 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 de corps ici euh, emblématise, symbolise bel et bien cette espèce de, 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 de propension à, à, à la communication, à la Communion, à l'amour, à, à l'érotisme qui nous caractérise constitutivement. Et, et malheureusement, c'est ce avec quoi la technologie voudrait nous, nous, nous voir finir. Et puis c'est la, la perfection de l'imparfait, et non pas la perfection du parfait. Exactement. C est, c est, c est ce qui mesure un décalage. Exactement, la perfection de l'imparfait. Voilà une belle formule pour désigner l'objection le, le, à à faire aux, aux transhumanistes et aux posthumanistes. Donc il y a ce, ce corps sensible qui peut, à la rigueur, encore apparaître presque comme une sorte de de lapsus sur certains corps sportifs euh, une très belle image ici on voit une goutte de sueur comme si cette goutte de sueur nous rappelait l'humanité euh, du sportif qui pourtant a été modelé fabriqué construit il reste ses petites failles dernier point d'imperfection peut-être elle a quelque chose effectivement d'incongru et, et en même temps d'éminemment prometteuse cette larme tant qu'il y aura des larmes il y aura il y aura de l'humanité. Oui, parce qu'on se demande finalement si euh, ce, ce, ce processus en marche n'essaie pas d'en finir avec le, le biologique en l'homme, enfin, avec le, le bio, avec la vie. C'est ça qui nous humilie profondément, cette honte dont on parlait tout à l'heure, elle tient dans le, le biologique. Hein, parce que le, le, le biologique, c'est le, le donner, c'est. C'est effectivement le, le, le fragile, c'est ce l'anti-artefact. Oui, oui. Ce qui résiste, comme vous disiez toujours, du corps. C'est ce qui résiste. Oui, oui. oui. Et donc c'est avec la biologie qu'on veut en finir. Mais vous parliez tout à l'heure de, de Heidegger, c'est ce qui le révulsait dans la définition qu'Aristote donnait de, 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 de l'homme comme un animal, un animal rationnel ou un animal social, etc. C'est l'animal qui... Qui, qui, qui lui, farouchement lui déplaisait, parce qu'il était l'indice même du bios. Hein, donc, euh, de, 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 ce, que, ce que les transhumanistes appellent la viande, il faut en finir avec la viande. C'est un terme admirable, quand même. <rire> admirable! <rire> Euh, il y a aussi enfin, dans cette, cette ivresse au fond euh, du posthumanisme, euh, il y a l'ivresse aussi de créer du, du non-contrôle, hein, de ce qui échapperait à tout contrôle. C'est un grand paradoxe par rapport à la modernité. Quand la modernité, nous étions dans le contrôle, tout au moins dans l'ambition du contrôle, oui. il y a cette idée du non-contrôle. Oui, c'est pour ça que le, le, les, les posthumanistes sont des gens qui s'inscrivent dans une certaine critique de la modernité. C'est un mouvement, les utopies post viennent de la contre-culture américaine, hein, très très remontée contre la modernité. Et au fond, la plupart des post-humanistes disent Mais regardez, la modernité voulait nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Voyez, ça a échoué, globalement, ça a échoué. On n'est pas maîtres et possesseurs de la nature. On voit bien que euh, nos, nos technologies euh, anthropocentrées, Hein, nous, 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 nous mettent en but avec la nature. Donc il faut passer à autre chose, il faut passer à, à une autre vitesse. Et ces post-humanistes, eh effectivement, ils, ils cultivent l'émergence, ils cultivent le, le non-contrôle. Ils sont volontiers dans la posture de ces biologistes de synthèse qui, aujourd'hui, euh, cherchent à, à, à créer de nouvelles créatures euh, en hybridant du, du biologique et, et de l'électronique. Hein, en, 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 en recombinant des, biques, des briques euh, biologiques, c'est comme ça qu'on qu 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 s'exprime en biologie de synthèse, et on essaie de, de bricoler du vivant, et puis bah, de voir ce que ça donne, de voir ce que ça donne, avec l'idée que si ça donne quelque chose, et si ce que cela donne euh, se maintient, c'est que ça méritait de se maintenir. Hein. Donc, les, les, les posthumanistes sont des gens qui disent voilà, euh, nos technologies nous permettent de bricoler des choses dont résultera quelque chose qui ne pourra être que meilleur que ce qui est. Parce que euh, nous sommes décidément euh, extrêmement euh, en déficit par rapport à ce, que, ce dont nous rêvions. Ce qui est intéressant, c'est que ces, euh, ces biologistes bricoleurs sont souvent des bricoleurs de garage. Complètement. C'est ça, on les appelle des, bi des biologistes de garage ou des biohackers parce que euh, de plus en plus... Euh, euh, on peut démocratiser euh, cette biologie-là, hein, on, on peut acheter de l'ADN, on, euh, on peut acheter du, du génome, euh, etc., hein, par Internet. Hein, euh, et, et donc, il n'y a pas besoin de grands moyens. C'est pratiquement à la portée de tout un chacun de, de s'adonner à ce, ce bricolage, en jouant du jeu des, jeu des possibles, comme, euh, comme disait euh, Jacob. Hein, et, donc euh, c'est ça qui est à, à la fois très très inquiétant d'un point de vue euh, sociétal, politique, hein, et en même temps c'est très inquiétant parce que ça révèle que notre imaginaire va de plus en plus dans le sens de cette espèce de, de, de rupture avec ce que nous sommes, avec ce, 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 ce que nous avons toujours été. Au fond, ce que nous voulons c'est... La singularité, comme disent les, 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 les postes ou les transhumanistes, c'est-à-dire ce, ce mouvement de bascule où euh, apparaîtra quelque chose de profondément inédit, hein, mais qui nous aura débarrassé de, de, cette, de ce lest euh, en quoi consiste le corps et en quoi consiste tout, tout ce qu'on a associé au corps. Et le sport n'est-il pas le, le lieu, le théâtre exemplaire de, de la confrontation de l'homme et de la machine euh, Évidemment, on peut penser à Oscar Pistorius, hein, ça, euh, ou à telle euh, femme mannequin dont on parlera, enfin, cette, euh, cette, cette, cette osmose nouvelle, et qui pose aussi des problèmes d'ailleurs en termes de, de, de compétition. Euh, C'est euh, contre qui Contre quoi oui, ben c'est la confrontation. En l'occurrence, Oscar Pistorius, c'est plutôt la fusion hein, de, de, de l'homme et, et, du, et du machinique. Et euh, le sport, c'est le théâtre sur lequel on peut euh, euh, rendre désirable hein, euh, l'hybridation. C'est ça qui, qui, qui est extraordinaire. Vous savez d'ailleurs que quand on, on a interdit en un premier temps à Oscar Pistorius le droit de concourir aux Jeux olympiques de, de Pékin, L'une des raisons, c'était attention, s'il gagne, il va devenir tellement exemplaire qu'il va mettre dans la tête d'un certain nombre de fous euh, qu'on pourrait bien euh, s'emparer de nourrissons, les, les amputer et puis euh, bon euh, les, les, les doter ensuite de prothèses qui leur permettront de triompher sur les stades. Hein, C'est ce côté exemplaire du sport hein, qui, euh, qui sert. De, 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 de support à, euh, la, à la fascination pour, pour, pour la mécanique. Hein, parce que Oscar Pistorius n'a plus rien de, 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 de répugnant. Hein, alors qu'en soi, euh, bah, vous me direz, il y, y avait bien l'hybridation de, 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 de l'homme et de l'animal avec les sirènes, ça n'avait pas non plus un caractère répugnant. Mais euh, longtemps, quand. Euh, dans la science-fiction, on évoquait cette, ce, ce mixte de, 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 de machines et de mécaniques, de, de, de biologie et de mécanique, c'était quand même pour, pour nous, nous repousser. Et là, bon, et, et Amy Mullins, hein, bon, qui est aussi une figure extraordinaire, parce que cette, cette jeune femme, qui est mannequin de son État aux États-Unis, est, est considérée comme l'une des dix plus belles femmes du monde, hein, selon je ne sais trop quel palmarès. Bon, Amy Mullins, à, à, à une activité publique extraordinaire. Elle se rend euh, dans, dans, dans les écoles, sur les plateaux de télévision, etc., pour faire l'apologie de, de son état, en disant mais vous vous rendez compte, j'ai beaucoup plus de chance que n'importe qui. J'ai douze paires de jambes et je peux me, me doter des, 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 des jambes adaptées aux circonstances, aux soirées. Hein, 12 paires de jambes, qui peut rêver mieux pour le coup Elle est augmentée. Et elle a ce, 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 ce sentiment, enfin, elle fait sans doute contre, contre mauvais, bon cœur, contre je ne sais pas comment on dit, enfin, elle, elle intègre cette, cette nécessité pour elle, mais en même temps elle apparaît comme la figure même de la résilience. Et les gens sont fascinés par Amy Mullins, il y a des fans absolus. Et elle représente celle qui, grâce à la technologie, eh bien, a dépassé les limites. Hein, qui sont celles de, de tout un chacun. Le prestige de l'augmentation. prestige de l'augmentation, parce que bon, euh, là aussi, est, on, est, on est un anti lorsqu'on peut s'offrir euh, l'augmentation. Hein, et s'offrir des prothèses euh, comme celles que, que, que porte Emmy Mullins, effectivement, c'est un indice de richesse. Et d'ailleurs, bon, alors parce que là, on est en état d'admiration devant cette, cette beauté un peu paradoxale, hein, cette beauté encore ancrée dans la machine. Mais il y a eu ce moment important euh, euh, qui a été la confrontation de Kasparov euh, et d'un ordinateur Deep Blue euh, avec euh, la défaite de Kasparov, comme s'il s'agissait d'un moment dans l'histoire de l'humanité. Certains l'ont vécu comme une défaite. Hein, L'homme. Euh, et battu par la machine, d'autres au contraire, comme plein de promesses. J'imagine que les posthumanistes voient là une sorte de coupure entre ouais, deux ouais. airs. Oui, moi je me, je me souviens que j'avais vécu ça personnellement comme un événement dramatique. Je me suis dit voilà, plus jamais, plus jamais un homme ne triomphera aux échecs contre une machine. Et bon, l'intelligence s'est volontiers symbolisée dans le jeu d'échecs. Ça voulait dire que l'intelligence va être de plus en plus du côté des machines et nous allons rester sur le, sur le carreau. Euh, donc c'est un, un épisode effectivement euh, dramatique. Alors Kasparov, qui est un, un homme très, très intelligent, euh, le dit aujourd'hui, il dit non, maintenant ça y est, euh, c'est la machine qui va triompher. Donc ce n'est plus la peine de se mettre dans une situation de compétition contre la machine. Et ce qu'il dit, qui est beaucoup plus fin, il dit ce qu'il faut faire, c'est s'allier à la machine. Donc, c'est composer avec la machine. Et il a, il a organisé un certain nombre de, de, de championnats d'échecs hein, où, de part et d'autre, c'était un homme et une machine. Et il en a tiré un, une impression très très contrastée parce qu'il a découvert que un homme qui joue très très bien aux échecs, jouant avec une machine qui joue très très bien aux échecs, eh bien l'homme devient médiocre. Il perd de son augmentation. En tout cas, son, son, son niveau de, de performance devient relativement plus bas. D'ailleurs, c'est une, une remarque qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Dans le, dans le monde des neurosciences, où donc on vise, à l'augmentation des facultés cognitives, on s'aperçoit que quand on utilise des psychostimulants, par exemple, qui sont les résultats même de cette technologie de l'augmentation, eh les psychostimulants eh bien, qui s'appliquent euh, vraiment à bon escient aux malades atteints d'Alzheimer ou aux malades atteints de Parkinson ou autres, lorsque on les administre à des êtres comme vous et moi, euh, des êtres valides, sains, eh bien, euh, loin de... De, de booster euh, nos facultés cognitives les plus, les plus valorisées, eh bien booste en réalité les facultés les plus élémentaires. Vous allez compter plus vite, vous allez vous souvenir de, de, de beaucoup plus de choses, mais vous ne serez pas plus réflexif, vous ne serez pas plus intelligent, vous, vous, vous n'argumenterez pas mieux, etc. Donc ce sont au fond les fonctions les plus, les plus élémentaires, les plus automatiques, les plus mécaniques. Qui se trouvent favorisé par les psychostimulants et par les technologies d'augmentation. Je crois que c'est une belle leçon à tirer. Hein. C'est-à-dire que l'augmentation dont on nous parle, elle servira peut-être les militaires, hein. euh, elle servira peut-être, heureusement, les, malais, les, les malades dépourvus de plus en plus de ces fonctions cognitives élémentaires, mais elle servira vraisemblablement pas ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Est-ce que si on prend un, un peu de distance, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de course à l'innovation pour l'innovation Est-ce que ce n'est pas un des traits finalement dominants de la recherche aujourd'hui que cherche un chercheur Il cherche à innover. C'est le propre d'abord de la modernité. Hein. Aller de l'avant. Hein. Il faut être moderne, disait Rimbaud. Il faut aller de l'avant. Peu hein. ben, importe. Mais ce qui a changé, et c'est pour ça que votre remarque est intéressante, ce qui a changé, c'est que... Euh, Aujourd'hui, on pouvait euh, mettre la recherche au, au service d'idéaux figurables, faire ceci, faire cela. Aujourd'hui, on est dans un, dans un tel marasme euh, intellectuel, dans une telle absence de repères, que la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut, vous avez raison, innover pour innover. Hein Il en sortira quelque chose, euh, on ne sait pas quoi, mais euh, au fond, l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Et ça, c'est évidemment, ça peut être catastrophique, et en même temps, ce n'est pas très, très gratifiant au niveau de, du, du, du sentiment de l'humanité qu'on peut, qu peut avoir. C'est cette espèce d'hypostase de, de, oui, du non-contrôle. Hein. Euh, donc, euh, innovons, le marché choisira. Hein. Parmi les objets que nous produirons, c'est le marché qui choisira. Et le marché, il a toujours raison. Hein. S'il choisit, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Euh, C'est ça qui est un peu désolant et qui personnellement me préoccupe concernant les politiques de recherche que, dé que, que, que développent les, les, les sociétés euh, évoluées, une espèce de, de désaffection hein, pour tout idéal, euh, pour toute figuration d'un vivre ensemble qui serait souhaitable. Ça, mais euh, avec la modernité, si on pense évidemment à, à Baudelaire, enfin, sur la, la revendication du nouveau. Ensuite, avec les avant-gardes, hein, il y avait une sorte de radicalité inventive. Hein, alors que là, l'innovation pour l'innovation, euh, c'est une sorte, c'est un défaut de finalité. Il n'y a, a plus de but. C'est le moyen pour le moyen. C'est la multiplication euh, des moyens. Absolument. Il n'y a, a plus de but. Et on se confie, on est un peu néo-darwinien, hein, on se confie à l'idée que ce qui survivra de ce que l'on produira méritait de survivre. Hein, et c'est la raison pour laquelle... Euh, ben, voilà, on introduit avec nos technologies quantité de, de variations, de mutations dans notre environnement, et puis ben, ces variations vont peut-être muter et vont atteindre un, un stade critique qui permettra de transformer notre, notre environnement. Alors, cette transformation euh, à un niveau moindre mais néanmoins significatif, c'est repérable euh, dans le cadre, par exemple, du sport, de l'artificialisation des pratiques sportives. Regardons aujourd'hui euh, euh, vélo elliptique, euh, euh, toutes ces pratiques corporelles euh, mécanisées, entre guillemets, euh, cardio training, etc. Euh, c'est un, un symptôme, ça, très intéressant quand même de cette évolution. Ben, c'est d'abord le symptôme de cette standardisation, de cette zombification hein, que l'on organise, que l'on orchestre. Et puis c'est l'idée que l'on peut dissocier de plus en plus le sport de la nature. Hein. Bon, ça, c'est inscrit évidemment dans la technologisation du, du sport, mais aussi de la nature environnante. Il de, n'y de, 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 a pas besoin d'être en plein air. Ce que vous dites est très juste. Hein, le, ce qu'on appelle le plein air indoor est absolument admirable. Oui, euh, Bercy, euh, compétition de voile à Bercy, euh, euh, faire du ski euh, euh, à Dubaï. Ouais, euh, ouais. Donc là, nous avons l'exemple même, au fond, de cette artificialisation ou l'abolition du naturel, de l'artificiel, nature, culture, chaud, froid. <laughs> nous sommes dans une sorte de neutralisation des contraires et des contrastes. Neutralisation, oui, qui va, qui va au bout euh, lorsque l'on pratique la virtualisation. Du sport Et ce que j'évoquais en parlant de, de, des jeux vidéo, de la Wii, etc., hein, qui est bon, le, le, le nec plus ultra de cette virtualisation. Donc, euh, bon, le sportif s'enferme de plus en plus dans sa bulle hein, il devient une espèce de, de, de monade, hein, euh, dissociée d'un environnement naturel. Donc, on peut le transplanter effectivement euh, euh, à l'intérieur, hein, indoor. Et puis, ben, progressivement, on va même pouvoir le, le, le conduire à dématérialiser ses, ses, ses gestes et, et à ne plus agir que, que par procuration. Et le, le sportif aujourd'hui va commander à distance, effectivement, le, le, le support d'une performance. Et ça, c'est évidemment pathétique. Mais alors, ne nous reste-t-il plus que, que deux attitudes possibles L'attitude de la, de la technophilie ou de la technolatrie euh, ou de la néolatrie euh, et de l'autre au contraire une sorte de technophobie euh, qu'elle soit euh, qu'elle soit purement impulsive ou bien qu'elle soit théorisée comme il y a le courant de Heidegger par exemple le technophobe c'est peut-être réducteur mais néanmoins est-ce que nous avons le choix entre d'un côté euh, reconnaître euh, à la technique une positivité et de l'autre euh, avoir une sorte de méfiance avoir la technique déshumanisante Non bon, pour ma part je pense que il ne faut, faut pas abdiquer. Hein. Bon, évidemment, je sais que les, les positions de troisième voie sont toujours considérées comme, comme tièdes et un peu dilatoires, mais il me semble qu'on assiste de plus en plus à une prise de conscience de, de, de la part des, des nantis, des sociétés développées, qui commencent à, bon, à, à, à considérer que... On, on, on s'achemine vers, vers un monde insoutenable, vers un bonheur insoutenable. Moi, je suis attentif à, à tous ces objecteurs de croissance hein, euh, qui, euh, à leur manière, quelquefois un peu naïve, ou malheureusement parfois aussi quelquefois fanatique, euh, bon, euh, sont en train de d'inviter à, à, à repenser la, la technologie dans, dans un sens qui n'est pas celui de la déshumanisation. Il peut y avoir une technologie non déshumanisante. Euh, maintenant, bon, on, on retombe dans les, dans les vieux combats de toujours. Hein, euh, à quelles conditions une technologie faite pour euh, réparer un homme euh, pourra-t-elle résister à son augmentation hein, Comment faire pour... Euh, que ce qui sert la cause d'un tétrapélégique ne serve pas euh, la cause euh, d'un individu qui voudrait euh, s'arroger euh, la possibilité de contrôler un autre individu, hein, grâce à la maîtrise des ondes électromagnétiques en l'occurrence. Euh, bon, il me semble que le, le développement d'une réflexion éthique dans les sociétés technologisées est un, est un indice. Que on ne va pas abdiquer aussi facilement. Et l'éthique, c'est cette tentative toujours pour essayer de placer le curseur au, au bon endroit et de se dire qu'il n'est pas absolument obligatoire que nous réalisions tout ce que nous pouvons techniquement réaliser. La loi de Gabor. C'est la loi de Gabor, effectivement. Et je pense que des progrès sont, sont permis, sont envisageables. Euh, des moratoires euh, peuvent être, être décidés, euh, des prises de conscience peuvent être réalisées. Alors est-ce que c'est du côté des adeptes du sport euh, qu'on trouvera euh, le courage hein, de, de résister à la fascination pour l'augmentation Je ne sais pas. Bah, D'ailleurs, le sport qui euh, peut quand même, tout au moins une certaine conception du sport, euh, maintenir la part, par exemple, de l'aléa. On ne peut pas réduire l'aléa simplement par des modélisations, quelles que soient les tentations de, à cet égard. Prenons par exemple le, le ballon de rugby et la course d'un ballon de rugby, qui est fondamentalement aléatoire, qui échappe au déterminisme, disons, simple. C'est peut-être une belle image. C'est une belle image et puis c'est très intéressant d'utiliser effectivement le ballon de rugby comme une espèce de, de symbole de, de maintien du hasard qui permettrait à l'humanité de rester humaine et du jeu, ce qui était important et du jeu et on n'a pas convoqué beaucoup la, oui. la, la, la dimension effectivement collective du, et du sport. jeu et de l'enfance absolument, absolument mais peut-être que le, le salut est du côté je ne dis pas forcément du, du rugby mais en tout cas de du, du, du sport qui assume hein, la, la composante de, de, de hasard et qui minimise celle du, du calcul et, et une belle idée. Dans le rugby, il y a toute cette belle image, vous savez, ce qui est d'aller de, de, de l'avant par une passe arrière. Donc, il y a peut-être aussi un rapport du passé et du, et, du, et de l'avenir qui est assez subtil hein, finalement. Oui. On n'est pas dans cette course vers l'innovation, vers le vers l'avenir, le toujours mieux. Oui, j'ai entendu il y a pas très longtemps Will qui faisait l'apologie de la mécanique quantique pour, en disant que dans dans sa pratique de rugbyman, hein, il investissait sa culture. Euh, en matière de physique quantique, c'est-à-dire de cette physique du hasard. Vous aimez bien euh, insister sur cette idée, peut-être que, que l'humanité euh, est, est fatiguée d'elle-même. Est-ce euh, que, d'une certaine façon, tout ce dont nous, nous, nous parlons euh, euh, n'est pas l'indice de cette fatigue et avec à terme l'idée, au fond, que, que, que l'homme serait parfaitement superflu Ce que nous avons dit là, de manière ponctuelle, on pourrait le dire d'une manière plus globale Bien sûr. Bien sûr, mais c'est ça. Que pose à mon avis euh, le, le, le problème que posent les technologies et le développement euh, impondéré des technologies, pose cette question de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Hein? Euh, et je pense que euh, l'engouement pour les machines est souvent associé à une désaffection pour l'humanité. Plus je connais les hommes, plus j'aime les machines. Hein. Pour plagier bon. Oscar Wilde parlant des animaux. Tout à fait. Hein. Mais bon, et ça, ça se voit, ça se traduit. Hein. Et, et on se laisse prendre par cette logique. Il euh, y a une espèce de presque de fascination pour les, les autistes légers, les autistes euh, victimes du syndrome d'Asperger, qui euh, sont représentés comme le prototype de l'humanité un petit peu idéal. Ils sont gentils, ils sont doux, ils euh, sont dépourvus de toute agressivité, de tout égoïsme. Ils sont brillants. Ils sont brillants dans des activités qui sont souvent, quand même, il faut bien le dire, très, très répétitives et très, très obsessionnelles. Hein. Mais euh, voilà, donc... Euh, une humanité, euh, oui, zombifiée, d'une certaine façon. Euh, je, donc euh, oui, je, je crois que cette fatigue d'être soi, que, que décrit formidablement bien Alain Ehrenberg dans, dans son livre sur la, la dépression, caractérise, je pense, le, le, le monde des, des utilisateurs immodérés des, des technologies et des technologies surtout lorsqu'elles sont dématérialisantes en, en ce qui concerne l'humain et des technologies qui pourraient faire advenir l'autre de l'humain bon ça peut être le, le robot comme comme on voit ici mais ça peut être aussi le cyberespace puisque on n'exclut pas au fond de nous hybrider avec le web hein, et de permettre que finalement la la, la vie se, 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 se matérialise par l'échange d'informations virtuelles dans cet espace qui est lui-même euh, l'espace virtuel. Donc, ces, ces fantasmagories de, 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 de science-fiction hein, sont souvent très, très révélatrices de cette désaffection de l'humain pour lui-même que des technoprophètes peuvent formuler de manière accablante. Hein. Je cite souvent Jean-Michel Truong disant euh, Après Auschwitz, il n'est plus possible de vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Hein, il le dit au premier degré hein, en considérant que lui, technologue, euh, bon, est, est, est censé devoir se mettre au service de l'avènement de cette autre figure que que l'homme hein, pour l'avenir. Et donc il y a cette pente extrêmement dangereuse du, du post-humanisme contre cela, il faut imaginer peut-être ou jeter les bases d'un humanisme revisité. quelles en seraient les, les, les valeurs cardinales? Ben je crois que la, la valeur cardinale ce serait... Euh, oui, le, le, une éthique de la fragilité, hein, de la, la vulnérabilité. Est dire que on est, on est à la recherche de ce qui fait la spécificité de l'homme aujourd'hui. on demande quel est le propre de l'homme. y a-t-il encore un propre de l'homme à l'heure où on nous dit que nous ne sommes que des animaux? et que nous devrions être de plus en plus des machines. Ben, le propre de l'homme, c'est qu'il est conscient de sa fragilité, qu'il est fragile d'abord, et qu'il est conscient de cette fragilité, et que peut-être toute sa culture est fondée sur ce sentiment de la fragilité. Les religions, les arts, les philosophies, hein, le mouvement même des sciences, hein, est, est motivé euh, par ce sentiment de la, la fragilité. Or si euh, nous mettons tout en œuvre pour expulser cette fragilité, euh, bon, effectivement, nous nous, nous dés déshumanisons profondément. Hein. Donc, euh, retrouver une, une posture, euh, et le terme n'est pas péjoratif, une attitude hein, qui euh, réhabiliterait euh, la fragilité, qui nous conduirait, par exemple, à regarder différemment la, la vieillesse. Hein. Euh, après tout, il y, y a des sociétés qui cultivent la vieillesse. Comme la richesse essentielle. Nous, nous sommes dans des, dans des sociétés qui expulsons la vieillesse, qui voulons en finir avec elle. Le handicap de la même manière. Le handicap de la même manière. Hein. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, quelque chose à faire qui procède de micro-actions dans le quotidien On peut avoir ces, ces micro-actions hein, qui, qui témoignent de notre part de cette nouvelle confiance qu'on ferait à l'humain dans ce qu'il a de plus vulnérables et de plus fragiles. Et, et en même temps, euh, il faut se préparer à, à faire une place hein, à ces, ces postes humains que seront des cyborgs, clones et autres êtres de demain. Euh, ce nouvel humanisme, s'il n'est pas un post-humanisme, il devra regarder euh, ces humains nouveaux autrement que comme des monstres. C'est la confrontation Sloterdijk à abermas hein, le, ouais, le ouais. conflit frontal. Et là, c'est intéressant parce que votre, votre remarque euh, conduit à faire sonner le mot posthumanisme de manière différente. On peut entendre le posthumanisme comme l'attente du post-humain, c'est-à-dire la négation même de l'humain, mais on peut entendre aussi le posthumanisme comme la volonté d'instaurer un nouvel humanisme qui tiendrait compte, justement, de la prolifération euh, d'êtres autres qu'humains dans notre environnement. Hein, euh, bon, des cyborgs, des robots, euh, des, des clones, euh, etc. Et, et de fait, euh, la, la technologie nous donne à penser que dans un avenir proche, nous serons bien obligés d'établir des relations euh, euh, qui ne seront pas forcément contractuelles, qui pourront même être empathiques avec les, les créatures issues de nos technologies. Je pense que j'évoquais tout à l'heure la, la possibilité que des robots euh, servent de baby-sitter, bon, c'est déjà le cas. Bon, il est bien évident que la relation qu'on établira avec un, un, un baby-sitter ou, ou un robot instituteur euh, ne sera pas euh, du type de celle qu'on établit avec une machine à laver ou un réfrigérateur. Hein Donc euh, oui, d'une certaine manière, même si nous sommes capables de pondérer notre appétit de, 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 de nouveaux, d'inédits, etc., euh, reste qu'il faudra composer avec les, les produits de la technologie que, que nous avons déjà, hein, qui nous entourent déjà. Et ça, c'est un, un défi hein, de savoir si nous sommes capables d'élargir notre sentiment d'humanité pour y faire entrer non seulement les animaux, mais euh, des créatures artefactuelles qui nous rendent des services dans l'exercice même de notre vie quotidienne. Et aussi peu sportif que vous soyez, on peut se poser la question de la place finalement du sport dans cet humanisme, dans ce, cet humanisme revisité que vous appelez de vos voeux, le sport qui est à la fois le concentré de toute... De tous les problèmes, de tous les drames, de toutes les inquiétudes qui sont liées hein, au développement des technosciences, mais le sport qui peut rester aussi euh, l'incarnation euh, de valeurs, de vulnérabilité, d'altérité, de différence, d'effort. Euh. Oui, il y, y a un aspect du sport vis-à-vis -vis duquel je, je suis ambivalent. Hein. C'est la composante d'exaltation collective qu'il y a dans le sport. Le, le sport est un, est un vecteur de communication entre, entre les hommes. On le, on le voit bien, une espèce de, 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 de vertige qui, qui submerge les, les foules, hein, qui communient avec la performance du sportif. Cette composante-là, elle m'a toujours fasciné parce que. Je suis entêté de communication. Ce qui me terrorise, c'est l'idée que les hommes pourraient se fermer sur eux-mêmes et ne plus communiquer. Or, dans le sport, il y a justement ce, cette instauration d'une continuité entre les individus qui fait que nous sortons de nous. Hein, nous sommes en état euh, euh, d'extase. Euh, cette composante-là, elle, elle est fascinante et elle est terrifiante. Elle est fascinante parce qu'elle révèle que les, les, les hommes sont capables d'un esprit de corps euh, qui, qui leur permet de, de, de communiquer. Et elle est terrifiante parce qu'elle est sujette au débordements possible. Hein, et les mouvements de foule euh, sont toujours aussi euh, très inquiétants. Euh, mais je pense que du point de vue de l'exaltation collective associée au aux événements sportifs, il y a là l'indice d'un attachement des, des hommes à tout ce qui leur permet de sortir d'eux pour aller vers les autres. Et, et donc sous cet angle-là, euh, le sport, à mon avis, euh, doit, doit composer dans, dans cet euh, horizon d'un post-humanisme, c'est-à-dire de l'accueil d'une humanité élargie. Et donc, comme facteur d'émancipation, comme vecteur de civilisation, comme vecteur de civilisation incontestablement, l'émancipation, à mon sens, elle tient dans dans la capacité que nous avons de pondérer l'individu avec le, le collectif. Il n'y aura pas émancipation si le sport est le prétexte à à survaloriser le collectif et à faire prévaloir le continu sur le discret. Donc c'est trouver la bonne mesure et nous parlions des intellectuels qui s'intéressent aux... Au, au sport, ils le font toujours comme une espèce de, de, de faculté de tester leur aptitude au va-et-vient entre le discret et le continu. Hein. L'activité solitaire de l'intellectuel et puis la propension à, à s'ouvrir au, au collectif. Une, dans, une belle image sport. ici où nous sommes entre la danse, l'exercice, il y a à la fois le mouvement, il y a à la fois le duel, euh, au sens de la dualité, euh, la composition, la beauté. Est-ce que tout cela n'incarne pas justement ces valeurs Ça, c'est l'emblème de, de la grâce. Hein, et le, le, le sport, quand il confine à la grâce, est, est absolument euh, subjugant. Au plus près de la danse. Mais oui. Et la grâce, c'est justement cette faculté Matisse. de dépasser les limites du, du corps tout en restant dans le cœur. Hein, et la ronde de Matisse c'est... Et, et merveilleuse d'expression de, de, de ce point de vue-là. Il y a du corps, c'est sûr, il y a donc de la résistance, mais cette résistance, elle est, elle est sublimée, elle est, elle est trans, transfigurée, et bon, elle, elle exprime tout entière cette espèce d'humanité. Oui, nous remarquerons d'ailleurs qu'on retrouve la création avec ses deux mains qui à la fois se tendent et ne se touchent pas. Oui. Enfin, donc il y a là vraiment oui. l'ouverture, la oui. ronde, elle est à la fois constituée oui. et ouverte. Et vous avez aussi, bon, je le dis très abstraitement, hein, la, la pondération de, du discret et du continu, hein, de, de l'individu et, et, et du, du groupe. Et ça, c'est bon, ça cet humanisme auquel il faut tenir. Hein.